que moi je m'intéresse beaucoup, j'aime aller farfouiller sur le web et je suis allé sur Google et j'ai tapé tout bêtement bloc Front National. Et donc quand on tape bloc Front National, on tombe sur le site du FN et juste en dessous, il y a un bloc qui s'appelle le bloc du Front National de Villeurbanne. Alors il se trouve que le bloc du Front National de Villeurbanne est tenu par un secrétaire départemental adjoint du Front National que vous connaissez sans doute, il s'appelle Stéphane Poncet. Ça vous dit Non, quelque mais chose? non. Bon, Stéphane Poncet est investi par votre parti aux élections législatives. Et alors il se trouve que Stéphane Poncet, qui est donc, je le dis, secrétaire départemental adjoint de la Fédération du Rhône de votre parti, il a un hobby dans la vie, il fait des caricatures. Et je dois vous dire que lorsque nous sommes tombés sur ces caricatures, que nous avons trouvées sans les chercher, nous avons été très étonnés parce que ce sont des caricatures qui sont quand même, je vais me permettre de vous en faire passer, une première caricature, alors sur Et laquelle... on vous le dit, enfin les auditeurs peuvent le faire, il suffit de taper Voilà. bloc Front National pour tomber dessus. Hein. On n'est Première pas dans un caricature, truc. Nicolas Sarkozy en nazi. Je vous la passe, je peux vous donner ma tablette hein, si vous voulez pour vous faire Celle-là, elle n'est Voilà. pas très choquante. Il y a une affiche, je crois, c'est d'ACT UP où Nicolas Sarkozy est un Hitler. Donc, Je ne pense pas qu'ACT UP soit candidat aux élections Non, mais législatives. d'accord, mais bon. Deuxième caricature de M. Stéphane Poncet, elles sont signées FN Villeurbanne. Hein. Intouchable. Alors on voit un noir représenté de manière coloniale avec les narines épatées. Je suis très Vous étonné, avez trouvé franchement. ça sur notre blog. Sur Ah, le c'est blog du secrétaire fnvillerban.fr. départemental du Front National qui est candidat de votre parti aux élections Vous êtes législatives. bien sûr. Ben écoutez, je vais vous l'amener, je peux vous le montrer tout de Ouais, suite si non, vous je veux voulez. Je bien, vous le donne. c'est intéressant. Je vais vous le donner tout de suite. Si vous me permettez, Laurent va continuer à vous montrer les dessins et je vais vous l'amener. Donc voilà pour les dessins et moi je vais vous amener. Voilà. Alors c'est signé de Stéphane Poncet, Qui est candidat pour la deuxième fois aux législatives. oui, qui est candidat, qui a été candidat à la mairie de Villeurbanne et qui est numéro 2 de la Fédération Front National du Rhône. Voilà, Guy, je le précise pour les auditeurs, est en train de montrer à Monsieur Alliot. Ici, la page Google, vous constatez que sans trucage, c'est le deuxième qui apparaît. Et voilà le bloc du Front National de Voilà. Villeurbanne. Alors il y a un Vous blog pouvez notamment. ces dessins qui sont les dessins de Monsieur Stéphane Poncet, qui est votre candidat, et dont le premier lien du site, si vous regardez bien, le premier lien du site, parce qu'il faut que je me mette en face du micro, c'est le site du Front National qui apparaît tout de suite, et c'est votre candidat qui est investi. Papier du progrès, hein, je peux vous donner le papier. Moi, je ne connais pas tous vos candidats, je l'ai découvert cet après-midi avec une grande surprise. Carl, Non, mais globalement, alors, je vais vous dire quelque première chose, chose, monsieur Alliot. Vous êtes d'autant plus surpris que je le suis moi-même. Mais je vois bien. Votre réaction par rapport à ces dessins, sincèrement. Mais écoutez, c'est simple, en sortant du studio, je vais me renseigner quand même pour savoir, Bien moi je ne sais sûr. rien, et je vais appeler, et puis en fonction de cela, eh bien, on en tirera toutes les conclusions et les conséquences. Conclusion disciplinaire. C'est-à-dire, vous voulez dire des conclusions disciplinaires au cas où je ne me sois pas trompé. Ben, écoutez, il y a quelques dessins là, effectivement, Il y en a je beaucoup peux redire plus. ce qu'il y a sur le dessin, un seul dessin, et Alors, pour que les auditeurs comprennent, c'est après... tout bête, je vous prends un dessin. Attention au Père Noël venu de Roumanie. Donc il est facile à reconnaître, il rentre par la porte et il part avec l'écran plat, donc c'est un Roumain. Et c'est signé Stéphane Poncet, FN Villeurbanne. Vous voyez, moi-même, j'ai été effaré de trouver Oui, ça. et encore celle-là est la moins pire, quoi. Oui, parce que j'ai pas voulu répéter celle avec le noir intouchable, parce que ça me fait vomir, pour ne rien vous cacher. Non, je réponds pas.